Bonjour et bienvenue à tous. Donc, je vous présente ici ma petite trousse avec mes produits que j'ai achetés sur la chaîne QVC. Donc, c'est la marque Elemis. Et donc, ça a été toute ma routine des mois précédents. Donc, là, je l'ai testé et là, je viens vous en parler. Donc, on a une petite trousse très mignonne, déjà très souple. Et tous les produits de la routine ils entrent dans le sac. Très pratique, il peut partir avec tout en même temps. Donc moi, ça m'a coûté 40 euros, tous les produits, et j'ai fait 12 mois. 12 mois parce que c'est quand même des produits qui a, c'est entre 30 ml et 50 ml. Donc je commence par l'Ogomasse. Non. Pour me nettoyer la peau. Pourquoi je fais tout le temps des bêtises, hein? Mais je ne vais pas recommencer la vidéo parce que c'est ça le que j'aime. C'est le direct. En direct à distance. Donc, le produit. Le premier produit donc, de la marque Elemis, ça va être le baume nettoyant, démaquillant, super parfait. Je dis parfait, pourquoi? Bah, en fait, parce que je suis une cobaye déjà très spéciale. Parce que ma peau, il est grasse à tendance acnéique. Donc, c'est une peau à problème. Donc, ça veut dire que si ma peau, elle n'aime pas, c'est la cacasse. Par contre, si ma peau, elle aime un peau à problème, ça veut dire que tous les peaux, ils peuvent en avoir la même. Alors, donc, je me suis nettoyée avec le produit. Et c'est 20 grammes, mais 2 mois que je me nettoie. Et j'ai encore tout ça. Il y en a plein. Donc effectivement, c'est un baume. Oui, c'est un soin à huile. Oui, les peaux ont tendance à problème. Elles n'aiment pas l'huile. Mais celle-là, c'est au romarin, au eucalyptus. Et ça, c'est des produits antiseptiques. Donc c'est des huiles essentielles. Et c'est super. Aucun problème. Donc ça se présente comme ça. On prend petite quantité. La quantité que je montre, ça va faire tout le visage et le cou. Donc, je vais le faire sous ma main parce que moi, j'ai déjà un autre vidéo précédent. Si vous voulez le voir, je le fais en direct. Donc, on nettoie le visage, mais pas du tout les yeux. D'accord? C'est des huiles essentielles et c'est pas bon. Donc, une masse comme ça, tout le visage et le baume, comme vous voyez. Ils font, tiens, je vais essayer, ah non, ça c'est le vernis. Ils font, donc ça transforme en huile. Après, je vais me mouiller les doigts avec de l'eau. Attention à mon ordi. Il se transforme en lait. Vous voyez là, c'est tout blanc. Ça se voit là, oui. Ça devient un lait. Donc, on masse. Et toutes les impuretés, même si on n'est pas maquillé, il va tout nettoyer. Voilà, après on rince. Et la peau il reste tout rafraîchi, parce qu'il y a aussi de la menthe qui va nous donner cette fraîcheur à la peau. Il est aseptisé avec l'eucalyptus romarin. Donc il est tout propre. Délicieux. Donc ça, je le faisais la nuit. Pour un nettoyage en profondeur. Parce que moi, le matin, je préfère seulement qu'il passe en eau micellaire. Alors, après ça, si vous faites un gommage, donc dans le kit, il y a un gommage enzymatique. Voilà, à la papaye. Donc, c'est comme ça. Tout orange. Donc, on prend une petite quantité. Oui, c'est un petit cochon. Normalement, on prend une spatule, mais là, je suis à la maison. Hop. Donc une pause comme ça, on fait une couche en fait, et donc comme c'est enzymatique, donc c'est pas agressif pour les peaux fragiles, déjà une pour si vous avez la peau fragile, fine ou sèche, si votre peau il est ridée, donc les gommages à grains, ça va graisser la peau, donc vous allez traumatiser votre peau, donc vous aurez plus de rides en fin de compte. Donc l'enzymatique, c'est parfait. Parce que ça reste comme ça, on pose 10 minutes. Et après, au moment de retirer, on mouille les doigts avec de l'eau.
on masse. Et les enzymes qu'il y a dans le gommage, ils vont manger vos impuretés. Après, on rince. Et vous avez la peau toute fraîche et tout nettoyé en profondeur. Après, effectivement, il faut mettre un masque. Mais là, dans le kit, il n'y en a pas. Donc, après le gommage, le kit il propose la lotion. Une lotion à la pêche. Il y a ma mélisse. Que ça sent bon. Donc, c'est 50 ml. Et c'est une lotion tonique calmante. Donc après, on le met dans la peau. Moi, je le mets avec les doigts. Je prends pas de coton parce que ça me gaspille mon produit. Et il y a plus de coton que sur ma peau. Donc, je le mets dans le cru la main, comme ça. Hop, je ne me ferai jamais à la caméra de l'ordinateur. Après, je fais comme ça. Et je le pose dans le cou parce que j'ai pas de maquillage. Je le pose comme ça. Je fais des pressions. Je fais des pressions dans le visage. Et quand on fait des pressions, notre peau y sort plus vite le produit. Et donc, après la lotion, le kit, on a la crème. Donc, la crème, c'est jour et nuit, 30 ml, aux extraits de collagène marin, de la tulle de la rose et du mimosa. Je l'ai fini, ça se voit. J'ai eu aucun problème sur ma peau. Ma peau, elle a été bien hydratée, mais j'ai pas eu un effet tenseur quoi que ce soit. Seulement hydratant. On va dire que c'est déjà bien. ça sent bon. Fraîcheur et tout ça. Donc, par effleurage, doucement, un vrai délice. Je l'adore. Et voilà, c'était ma routine. Ça a été ma routine. Là, il m'en reste un peu. Non, ça m'a duré 2 mois, comme j'ai dit. Là, la crème, je n'ai plus. Là, moi, mon baume, je pourrais encore me nettoyer le visage. Et le gommage, je pourrais encore l'utiliser. Évidemment, ce n'était pas un pot comme ça, c'était un tube. Mais moi, je préfère, donc je l'ai rajouté dans celle-ci. Parce que quand ça, j'ouvre et je mets la main, plus facilement, qu'appuyer, appuyer, appuyer, je le trouve plus fastidieux. Et après, tout ça dans la super trousse. Qu'après, si on a aussi en plus des produits comme un sérum, un masque, un pinceau, des choses comme ça, il y a de la place, hein. Vous voyez? Waouh! Moi, j'adore. Les produits vendus avec des trousses, je crois que c'est un plus. Bon, on va faire des cours des camarades parce que oh, on ne sait jamais. Je comprends jamais la droite à la gauche. Bon, j'espère que vous avez bien aimé. Et si vous aimez la mimosa, la rose, l'eucalyptus, le romarin et le collagène marin, ça, c'est pour vous. Bisous et merci. Et à bientôt.